Bonjour tout le monde, c'est Mike qui vous parle et re-bienvenue à mon Fantasy Draft avec les Devils du New Jersey. Donc au dernier épisode, on avait joué ce match-là contre Ottawa, on a gagné un but de Hair Off. Assez spectaculaire dans les dernières secondes du match. Et je viens de regarder le match Suède-République tchèque. Je dois dire que je suis impressionné par l'équipe de la Suède. Je sais que le match était joué avant, mais moi j'enregistre mes vidéos dans pas d'avance pour ceux qui viennent juste de s'abonner à la chaîne. Donc c'est pour ça que des fois je parle d'affaires un petit peu en retard. C'est pour ça. C'est pas parce que je vis dans le passé, non. C'est vraiment parce que c'est le seul temps que je peux en parler. Donc Ovechkin est avec les Blue Jackets apparemment. Et Brandon Prost est blessé, ça il fallait s'y attendre, hein? J'ai déjà un joueur comme Scratch. Oh oui, c'est vrai, j'ai rappelé des joueurs justement au cas où. Donc, on va aller voir qui qu'on peut mettre dans l'alignement pour remplacer Prost. Ah, oh, Jonathan Drouin. Oups! C'était pas mon intention de garder Jonathan Drouin, mes excuses. Bon, ça se fait qu'il y a personne qui me l'a dit. Samuelson. Il va peut-être être mis au balotage. Après, je me souviens plus si j'avais enlevé le balotage. Bon, peu. Attendez, je vais regarder Upshaw. Upshaw est un petit peu meilleur. On va rappeler Michael Samuelson. Puis on va envoyer Jonathan Drouin dans les mineurs, faut juste que je le remplace. Voici Michael Samuelson. Il est déjà joué au centre, lui. Apparemment pas. Donc Chris Neal. Bertuzzi à l'aile gauche. Chris Neal. Donc je vais avoir Bertuzzi. Samuelson sera à l'aile gauche et Chris Neal reste à l'aile droite. On va scratcher Drouin. Je voulais pas l'envoyer dans le junior majeur, je pense. C'est pour ça que je l'avais gardé. Peu importe mon raisonnement. Là. Et j'ai tout simplement oublié de l'envoyer. Ouais, tu peux aller dans les juniors. J'ai pas l'intention de te garder comme scratch pendant toute la saison, inquiète-toi pas. Donc, meilleure ligne pour Albany. Il nous reste deux parties à simuler. Et peut-être que Prost va être de retour dans notre match que je vais jouer. Et on a perdu Seth Jones. Ah, j'ai oublié de ramener un scratch. Maudit épais. Est-ce qu'il disait le 27 octobre ou 27 novembre? Ah oui, j'accepte. C'est Jones, ouais, Sergei Gonchar. Bon, c'est, mettons, je vais envoyer Backstrom. Non, ok, donc il n'y aura pas de... J'ai envoyé des waivers, ce qui est une bonne idée, là, justement, comme ça on va pouvoir appeler puis renvoyer dans les mineurs qui qu'on veut. Sans que ce soit fatigant. Donc, whoops, blessure à Seth Jones. C'est ça, il jouait juste en défense puis à 4 versus 4, donc c'est pas si dramatique que ça. Sergei Gonchar, bon. Je sais que je pourrais l'utiliser en avantage numérique, il est excellent, mais... Je vais me retenir et attendez, je vais rappeler des scratchs pendant ce temps-là. Pour l'équipe. C'est pas des gars qui vont jouer là, c'est juste des gars que tu places comme extra puis tu t'assis là, puis tu scratch pendant toute la saison. Ça n'aura pas le choix des Sheldon Surrey. Ok, parfait. J'ai pas l'intention de re-signer personne d'autre alors que là il faut encore
attendre avant de savoir la longueur de la blessure de Seth Jones et de Brandon Prost. Donc, on a joué en Tampa Bay et Philadelphie pour notre match. Je vous rappelle, un match aux deux semaines. C'est beau, là, je suis de retour. Seth Jones, c'est ça, c'est le 29 octobre. Donc, il n'aura pas manqué trop d'action. Même si Gonchar est meilleur, je préfère jouer Seth Jones cette année. Et Gonchar peut retourner dans la AHL. Vraiment, aucune raison de le garder, c'était juste un défenseur de profondeur. Oui, il est meilleur que des gars comme, mettons, Eriksson. Ou pareil comme un gars comme Christian Herroff, puis on pourrait peut-être en avoir besoin. Mais! C'est ça, comme j'ai dit, je suis encore dérangé par un email, désolé. Patrick Marleau. Il plaît qu'on va donner devant au Lightning et ça va être intéressant. On a un déficit de 2 buts à remonter dans ce match-ci. Donc voyons voir si je vais pouvoir lever mon jeu d'un cran et aller chercher la victoire. J'ai 5 minutes dans le fond pour le faire. C'est des périodes de 5 minutes. Ou comme Bistrocir, comme les séries, vous êtes habitués à ma chaîne, vous savez là, comment que ça marche sur les troisièmes périodes. Je me suis habitué comme ça dans NHL 2006 parce que c'était dans le temps que je me souviens plus, mais en tout cas, j'avais quelque chose qu'il fallait que je fasse. Je pense que je jouais au hockey ball dans ce temps-là, puis là, à chaque fois, j'aimais ça jouer, mais j'avais pas le temps de jouer le 15 minutes au complet. Donc, j'avais juste le temps de jouer 5 minutes, puis c'est là que j'ai commencé à faire juste les troisièmes périodes. Dans le temps, c'était juste 5 minutes. L'engin de simulation, comment que ça marchait là, dans NHL 2006. En tout cas. C'est pas le temps de parler de la nature 2006, là, c'est le temps de se concentrer sur Stamkos, le but! Un petit but chanceux, un bon rebond. Et les Devils prennent les devants. À Vlad, Eric Johnson. J'aime bien le fait qu'on ait Eric Johnson dans l'équipe. Oh! Oh! Je pensais que Ryder allait rester à l'aile gauche. Oh, je pense que Herroff est seul. Oh oh! Non, je suis correct. Juste que Luongo arrête d'accorder des rebonds juteux. Donc, Price a été confirmé devant le filet. Là, au moment où cette vidéo-là va être sur YouTube, le match va déjà avoir été joué, mais là, j'ai aucune idée de comment le match va se passer. Eric Johnson! Top corner! Voyons, je suis en forme aujourd'hui. C'est juste de la chance, ça donne que mes lancers rentrent aujourd'hui. Au moment où je vous parle, là, juste pour vous dire à quel point c'est retardé mes vidéos, c'est j'ai même pas encore mis le deuxième épisode sur YouTube puis je l'ai déjà joué. Donc, oh, Ekman Larson. On a de bons défenseurs offensifs aussi. Backstrom, oh, il est patient. On peut être patient, il n'y a pas de pression apparemment. Ça, c'est comme le vrai Lightning. On n'apporte aucune pression puis on les laisse circuler avec la rondelle autant qu'ils veulent. Oh! Backstrom. Oh, Zach Parise avec le Lightning, Klesla. Ah oui, quelque chose que je voulais faire aussi, ce sera pas long, pas modifier mes lignes, mais bien regarder l'alignement de l'autre équipe pour que vous puissiez voir ce qu'on affronte parce qu'on connaît pas l'équipe. Vinny Prospal avec le Lightning, non merci. Et Hellenius est encore avec le Lightning. Ils ont Craig Anderson, mais heureusement pour nous, ils l'ont pas starté aujourd'hui. C'est probablement aussi pour ça que je suis bon pour marquer des buts, c'est juste à donc ici, le commentary a coupé. Et donc c'est ça, là il faut que je continue. C'est très dommage, c'est plus un live commentary, la partie d'avant l'était. Donc il reste fin de période. Donc, je vais peut-être en profiter pour jaser d'autres choses. Le Canada vient de gagner son match contre la Norvège. Et on parle en antichambre en ce moment que c'était pas un match trop convaincant. Une mauvaise pénalité.
puis tout, parce qu'on a gagné 3-1, mais écoutez, si demain, ou peu importe quand le prochain match est, avec Luongo devant le filet, on gagne pas par une grande marge, par une grande marge de manœuvre, là, vous pourrez chialer, puis là, on pourra être déçu. C'était le premier match, on a été pourri en première période, mais on s'est bien pris durant la deuxième et la troisième période. J'ai aimé ce que j'ai vu. Leur but, écoute, ils l'ont compté en avantage numérique. Un petit but chanceux, ça peut arriver même aux pires équipes. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas être trop vite pour critiquer. Le plus, c'est qu'ils disent toujours, même si le Canada est pas trop convaincant, le coach Babcock, il l'a dit, c'est un match où ce qu'on teste des choses. Okay, on va pas là pour remporter le match par 10 buts. Si le Canada voulait remporter le match par 10 buts, il aurait pu le faire. Okay? On se concentre juste sur l'offense, on pinche avec les défenseurs. Mais non, on voulait jouer un style comme qu'on aurait joué contre une grosse équipe comme les États-Unis, admettons. On a été physique, mais je trouve qu'on n'a pas été assez physique. Il y a Stamkos échappé. Mais c'est ça. Il faut vraiment jouer nord-américain. Là. Il faut frapper partout. Il y a un gars, le capitaine de la Norvège, il s'en est tout partout avec des petites mises en échec. Puis il n'y a personne qui le frappait, lui. Des petits gars de même qui se pensent tough. Il faut que nous autres au Canada, on aille les frapper puis qu'on les sorte du match. Et il veut frapper le monde comme ça, ben il sort là du match sur une civière. C'est peut-être sévère pour plusieurs d'entre vous, mais écoute, il a juste à pas frapper s'il peut pas se défendre. Là. Fait que j'ai pas aimé qu'on le laisse patiner alentour de tout le monde. Il a été frappé Tavares, il a été frappé Crosby, puis il y a personne qui a été le frapper lui. Donc, je sais, tu veux pas tomber dans les disciplines, mais tu veux pas te laisser marcher ses pieds non plus là. Parce que là, tu dis aux autres équipes, vous pouvez frapper nos meilleurs joueurs, on va rien faire. Puis il n'y avait pas de pénalité sur les séquences là, quand ils ont fait leur mise en échec. Donc, faut que j'ai un poteau que ça passe ses proches. Ils ont Patrick Marleau. C'est vraiment dommage parce que c'était un bon commentary. Puis, vous allez voir, restez pour la fin, là, si vous commencez à trouver ça plate, là, restez pour la fin, parce que vous allez voir, c'est toute une fin, assez cocasse, mais en même temps, spectaculaire. Donc, McKinnon, là, je voulais essayer de compter avant la fin de la troisième période, est-ce que je vais y arriver? Ça reste à voir, là, c'est les autres qui attaquent. Oh, McKinnon! Mais c'est ça. Je sais, les Américains ont battu les Slovaques facilement. Et c'est vrai, là, j'ai dit aujourd'hui, mais cette vidéo-là va être techniquement le lendemain. Donc, logiquement, à moins que quelque chose tourne mal, ça devrait être le vendredi, cette vidéo-là, alors qu'on s'en va en prolongation. Et c'est ça. C'est dommage, parce que là, pas dedans, je viens juste d'écouter le hockey du Canada. Je prends les commentaires, tandis que dans ce match-là, ça faisait comme 10 minutes que j'avais joué, donc j'étais dedans. Puis là, tout ça est parti. J'ai checké pour les deux vidéos que j'ai enregistrées après, pour samedi et dimanche, tout ça est correct. Je peux peut-être vous faire un petit preview, je savais pas originalement, mais là, après ça, j'ai fait deux autres vidéos. Une où j'ai fini la saison régulière avec les Sénateurs d'Ottawa. C'est juste une vidéo où je parle de ce que je veux voir dans les jours 2015 puis qu'on simule pendant toute la saison. Et voici la fin cocasse. Luongo, et là, j'étais pas content. Je me suis dit, quoi? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, il y avait eu un long moment de silence sur ce que j'ai rien dit. Finalement, j'avais repris la parole. J'ai été voir dans le replay pour voir comment ça se fait que Luongo l'avait mis dans son filet comme ça. En ce que je croyais dans le temps. Puis aussi, l'autre vidéo, c'est Bistro Cire. Donc, Bistro Cire samedi. Et la fin du GM des Sénateurs d'Ottawa dimanche. Donc c'est Ferentz qui lance de la ligne bleue. Luongo fait l'arrêt et là, regardez, il va pousser la rondelle et regardez bien ça. Le poke check, mais il n'a jamais touché à la rondelle! Là, vous le voyez peut-être pas trop bien, mais attendez que je replace la caméra, là. Regardez, il poke, il la pousse, là, il est complètement loin du bâton du joueur du Lightning, on est d'accord? En dehors du cercle jaune. Et...
Regardez bien. Oh, il a jamais touché, mais il donne quand même le but. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.